Bonjour, bonsoir. Comment nous y est? On espère que nous tout en forme. On espère que nous te gardé tout vidéo précédente. Donc je dis à mon venir avec un autre tutoriel pour vous sur Microsoft Word toujours, OK, qui c'est comment faire la mise en forme. Donc je dis à là nous allons apprendre ça. Donc on a un texte qui déjà là. OK, nous allons faire mise en forme là-dedans. Donc pour commencer, donc il y a un texte ça, OK. Donc ça c'est 11. Donc moi-même je vais choisir faire modification là dans la mise en forme. Pour commencer, m'a commencer comme ça. Donc pour capable faire mise en forme, OK. Donc et on va montrer comment si vous voulez agrandir size texte ou vous capable agrandir. Si vous voulez changer couleur, vous capable changer couleur. OK. Donc nous aller comme ça. Mon besoin bail premier en ligne là. OK. Premier ligne là un size 17. OK. Et qui ça m'a fait m'a placer QCM là. On dit dans DL là, OK. Donc nous va bali un size 17. Donc moi déposer QCM là, on clique. OK, nous côté là danser. Côté QCM là danser DL là. OK, ça veut dire avant elle là. Donc m'a fait un clic gauche, m'a kimbil. Et puis m'a couru avec souris là vers la droite. Et puis m'a lagué. Donc on y a là. Moi pour aller là, OK, dans petit fléchette ça, nous côté 11 dans hier, on bali size, m'a fait un clic gauche dans petit fléchette là. OK, pour me capable bali size qui me voulait. OK. Donc c'est là où on fait choix size que vous voulez bali. OK, nous autant qui m'a descendre vers chiffre qui plus gros. Nous autant qui m'a descendre vers chiffre qui plus gros qui s'est passé. C'est autant que size moyen a augmenté, autant que m'a descendre plus bas size moyen a diminué. Donc on dit que au lieu de 17 n'a prend 16. Size là il augmenté. Donc on y a là si on a dit que même partie ça là nous saute by size 16 là, nous va bali yon couleur rouge. Donc n'a fait même bagarre. Là sélection n'a fin fait là. Donc moi pour aller pour me bali couleur nous pour aller dans A majuscule ça nous qui gagne petit rouge en bas. Donc c'est là n'a cliquer dans petit fléchette là toujours. Si me clique là la tout prend couleur nous wè. Mais si me clique là là moi ka faire recherche couleur me vle. Donc n'a pour là il ouvre un petit tableau pour moi côté qui gagne toute couleur. OK, si n'a suivre chaque mois passé sur une couleur, il tout prend couleur. Donc qui différent, l'aime pas cliquer sur fléchette là, moi cliquer là ou voir tout prend rouge. On fait essai là n'après là, il tout prend couleur rouge. Donc chaque fois là, il va aussi sélectionner, bon de sélectionner n'après. OK, nous elle est rouge. Mais par contre, c'est pas rouge là me besoin. Puis gawal on y cliquer sur ça du pas une autre couleur. Donc pour une autre couleur, on clique sur petit fléchette là. OK, on clique sur petit fléchette là, on aller. Donc on y a là, l'en fini. N'a choisi couleur nous voulons donc monter dit que c'est couleur rouge m'a bali étant donné qu'il était tout rouge. OK, nous rouge en coché. OK, donc là moi capable dit moi changer couleur moi augmenter size. Donc on y a là nous pour aller pour comment ou capable et changer font ça au style écriture. OK, donc pour changer style écriture moi sélectionner là encore. Si vous pas sélectionner li pas prendre. OK, donc c'est ça modifiant aussi poser sélectionner. Donc moi sélectionner le moi pour aller sous petit fléchette côté qui marque calibre corps. OK, donc si me pas cliquer sur petit fléchette là, donc là me cliquer sur petit fléchette là qui ça permet que me faire ouvrir en liste moi même faire choix de ça qui me vient. Donc on clique sur petit fléchette là nous reste les petits tout là. OK, donc ça c'est là on va descendre nous cliquer dans barre de défilement. OK, donc on va voir tout style de texte. OK, moi même on a dit que m'a choisi un style de texte qui relève algérien. OK, mais algérien là là ouais immédiatement qui me mettait qui sera sur algérien dit modifier le bon. OK, dans ma descente. OK, il modifie le toujours. Donc on choisit algérien. Donc là moi choisi algérien après style texte moi il modifie. Donc on y a là si me besoin fait texte qui en bas pour en même couleur avec texte qui en l'air dernière bagaille pour finir. Si j'ai besoin de faire texte qui est en bas, prend même couleur avec texte qui est en l'air, mais qui ça m'a fait? Pas besoin de sélectionner ça
et puis pour m'aller dans couleur, OK, pour m'aller bas les couleurs, chercher couleur encore, et puis pour m'aller bas les mêmes size là, pour chercher même style petit. Mon bagage nous a fait très simple. N'a pas gardé là côté qui marqué reproduire la mise en forme, ça fait tant en pinceau, OK, reproduire la mise en forme. Si nous besoin fait tout texte qui en bas ou bien on partie dans texte en bas, on a dit OK, m'a commencer là. Besoin faire prendre même size, même style d'écriture, OK, ça relève fond plan, même couleur, OK, et même alignement, OK. Donc qui ça me va le faire, m'a sélectionner et puis me va aller sur qui ça me va le faire pour me faire, pour me faire, pour me reproduire mise en forme moyen avec pinceau, qui ça m'a fait moi à sélectionner partie qui m'a prend toute forme qui la donne yo, OK, me sélectionner et puis me vini me piquer sur reproduire la mise en forme, OK, pinceau noué là me vinn là mes pinceaux dans tout là m'a sélectionner avec pinceau dans partie me besoin, me fait clic gauche, me courir, me sorti de la droite vers la gauche et puis me vini côté m'a en rivé mise en forme côté dans partie dans texte qui me veut rivé m'rivé là et puis me laguer n'a pas automatiquement il tout reproduit même forme ça a été gain en garder là, on clique là noué size moins 16 écriture algérienne, OK, de couleur c'est rouge de connia là, OK, pour carré couleur cliquer là, OK, après couleur c'est rouge donc là tout après size ou 16 en font tout c'est algérienne, OK, police là et puis même couleur c'est rouge. Donc c'est tout ça que nous t'avons montré aujourd'hui. Donc nous espérons que vous êtes satisfait. Nous espérons que tout vous partagez la vidéo, pas oublier de quitter un like, un abonné. Et puis, pour nous capables de venir avec l'autre petite belle vidéo pour toujours. Ok, bye bye, à la prochaine.